Ouais. Ah, vous voulez refaire un tour là aussi? Allez, je vais vous faire un tour. Ouais, tu descends. Allez, finalement, elle a pas fait Allemaal is hier welkom van deze kant van de schreef. We zijn hier te Boschepen en met Vlaamse mensen die kunnen leuk maken, maar ook plezier doen naar de jong met Père Noël en met al de traditie van de einde van de jaren. We zijn blij van Vlamingen en Franse mensen te horen brengen. Bienvenue à tous, nous sommes ici à Boschepe, je suis Laurence Van Coupenol, membre du Pied à l'Étrier, m'occupe un petit peu de la communication et accessoirement je connais bien le Père Noël, mais je suis là pour vous aider à comprendre cette journée que nous avons développée depuis plus de 15 ans avec plein de bénévoles autour de Noël, avec les traditions de Flandre, de tout l'hiver, développé avec nos personnes en costume d'époque. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bonjour, plutôt que d'aller te filer, te cacher avec ma vie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, faire des petits avec Marie. Merci. Merci à Saint-Martin. Nous sommes ici à Boschepe, en plein cœur des Flandres, et l'association Le Pied à l'Étrier, dont je fais partie, elle travaille, c'est un grand mot, mais avec des bénévoles depuis 1996, à essayer de rappeler les traditions d'une époque entre 1920 et 1960. Donc nous avons organisé pas mal de fêtes à l'ancienne autour du battage, du blé, des moissons, des choses en extérieur l'été, et un jour, on s'est dit, tiens, les gens qu'on croise nous disent « Ah oui, Noël maintenant, c'est tout du commerce. On ne retrouve plus le Noël qu'on vivait autrefois autour d'une orange et de la famille. » Alors on s'est dit peut-être qu'avec notre association, on peut faire quelque chose sur le thème de Noël, Noël à l'ancienne, pour dire que c'est une fête pleine d'émotions, avec des souvenirs à partager entre les plus anciens et les plus jeunes. Donc on a créé cette ambiance particulière à Boschepe dans la salle des fêtes, au pied du moulin, depuis plus de 15 ans maintenant, avec un petit marché de Noël, pas très grand, il y a 25-30 exposants, dedans et un peu dehors, qui font que des choses faites à la main, il n'y a pas de made in China, c'est des choses qui sont artisanales ou alors qui ont un sens, et pas deux exposants qui vendent la même chose. Donc ça, c'est pour le côté marché de Noël. Après, nous, association, on essaye de faire une mise en scène de l'hiver autrefois, avec un intérieur, un vieux lit, une vieille table, un feu, et un couple, Marcel et Brigitta, qui ont connu, bon, ils ont plus de 60 ans maintenant, mais comment on vivait autrefois l'hiver. Donc la femme, elle tricote, le monsieur, il trie des haricots, il lit le journal, et ils ont plein de souvenirs à partager. Donc ça, c'est quand vous entrez, il y a Marcel et Brigitta. Il y a aussi des chansons de Noël traditionnelles, chansons françaises, et de quoi se restaurer, puisqu'on est là en début d'après-midi, donc manger un morceau et boire des choses un peu, du vin chaud à l'entrée, et puis aussi du vin d'orange à l'ancienne par exemple, de la bière de Noël avec modération, mais des choses qui sont un peu typiques. Winda, voilà, il y a l'association de Le Pied à l'Étrier, un marché de Noël créé par des bénévoles, une trentaine de bénévoles, et c'est tout ce qui tient à Noël à l'ancienne. On a une deuxième manifestation dans l'année qui est une représentation théâtrale organisée par Le Pied à l'Étrier. Et la troupe théâtrale, c'est la troupe de Westhouter. Et ça se passe au mois de décembre à la salle paroissiale. Alors, d'attendre de ça, ici, c'est la salle des fêtes du village.
l'été prochain, en 2019, on envisage faire une fête supplémentaire qui serait mariage à l'ancienne, accompagné d'une brocante année 1960. Ce serait fait au mois d'août. Et dans l'après-midi, il va se passer trois passages de ce qui est de plus en plus rare, la crèche vivante. Ça, c'est quelque chose à quoi on tient. On a réussi depuis 15 ans à trouver à chaque fois un bébé avec des parents, Marie, Joseph, le petit Jésus, et derrière les anges qui s'habillent en costume, pour rappeler qu'autrefois, à minuit, on allait ensemble en famille voir la crèche vivante. Entre deux, il y a des chants de Noël encore, il y a le Père Noël, parce que ça c'est pour les enfants d'aujourd'hui. Hein, on a parlé des souvenirs des enfants d'hier, mais aujourd'hui les enfants sont encore fort attirés par le Père Noël, et heureusement. Donc ils écrivent leurs lettres au Père Noël, Père Noël est là, il vient à trois moments de la journée aussi. C'est un vrai Père Noël parce qu'il a la voix, il a la carrure, il a l'habit. Donc on est assez content de ça. C'est quelque chose assez simple finalement, mais où on met tout notre cœur. Donc chaque année, les rois mages aussi viennent nous dire bonjour pour clôturer la journée. Ce sont les traditions et le plaisir d'être ensemble en sachant que Noël va arriver dans 6 semaines. Donc il faut s'y préparer sans se faire aspirer par la spirale commerciale.